La 16e promotion des préposés des douanes a célébré ce lundi ses 25 ans de carrière dans une ambiance à la fois festive et solennelle. Cette cérémonie, qui a vu la présence de plusieurs autres autorités, s'est déroulée sous le thème « Solidarité à vie ». Dans le cadre de cette commémoration, une enveloppe de 125 000 francs CFA a été remise à chaque famille des collègues disparus ces dernières années. La célébration du 25e anniversaire en différé, alors l'esprit, c'est la promotion de la solidarité, voilà, au sein de l'administration en général et au sein de la promotion, la 16e promotion des préposés des douanes. Alors, c'est une culture que nous voudrons impacté au sein des autres frères d'armes, au sein de tous les FDS, voilà, de sorte à aider aussi le gouvernement dans ses efforts de remonter le moral, voilà, des familles, des camarades qui tombent sur les champs de bataille. Alors, on vous a donné l'information que nous étions 101 personnes, et nous avons perdu 21 de nos camarades. Alors, vous avez constaté la présence de leurs familles, veuves et orphelins. Voilà, donc la portée que nous voudrons accorder à cette cérémonie-là, c'est la promotion de la solidarité dans l'administration en général. Voilà, pour que les uns et les autres se sentent, après le départ de leur chef de famille, qui se sentent dans la grande famille, qui se sentent toujours voilà, inclus dans toutes les activités de joie ou bien de peine. Voilà, voilà la portée générale de cette cérémonie. Les responsables présents, y compris le patron et le parrain de la cérémonie, ont salué cette initiative, la qualifiant de salutaire et pleine de sens. C'est touchant, cette démarche est très touchante. Et c'est une marque de cohésion, de solidarité et tenir compte aussi des camarades qui nous ont quittés, soutenir leur famille, et c'est très important. Voilà. Et ça rassure aussi les vivants que de savoir que même quand on ne serait pas là, on a des frères par esprit de corps, de solidarité, qui peut prendre soin de vos familles, surtout dans ce contexte difficile où, à cause du contexte sécuritaire, nous perdons beaucoup d'hommes pour diverses raisons, dans l'exécution de leur mission et aussi dans la lutte contre le terrorisme. Eh bien, disons que j'ai beaucoup d'émotions et des cérémonies comme ça, ça vous fait revivre et ça vous rajeunit. Et ça fait une solidarité et fait que nous sommes vraiment très contents. C'est une très belle initiative et nous pensons que la 16e promotion sera suivie par d'autres pour que nous revivions ces instants-là. On leur souhaite beaucoup de courage, on leur souhaite une bonne santé et beaucoup d'ardeur au travail. Cette occasion a également permis de rendre un hommage appuyé à M. Maurice Ilboudo, directeur de l'école des douanes à l'époque de leur formation. Selon les membres de la promotion, cet hommage est pleinement mérité. Maurice Ilboudo étant aperçu comme un modèle de leadership et de rigueur.